maintenant aujourd'hui, Pure Pilates, pour que vous puissiez, pour ceux qui connaissent déjà, vous verrez bien si ça correspond. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir apprendre et voir un peu les différences. Pour le gym, on va commencer avec l'échauffement et puis après, je vous raconterai les choses essentielles du Pilates pour qu'on puisse ensuite passer aux exercices. Alors, l'échauffement, vous le connaissez, l'échauffement global, toujours assez identique au niveau des mouvements qu'on va faire. Les choses essentielles du Pilates. Une chose essentielle, c'est la respiration. La respiration de la méthode Pilates est une respiration thoracique. Vous allez mettre vos deux mains de chaque côté des côtes et puis vous allez inspirer par le nez. En faisant une inspiration ample, vous allez sentir vos côtes qui s'agrandissent sur les côtés et en avant. Et puis, vous allez les accompagner sur l'expiration pour les ramener à leur position initiale. Et de nouveau, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on inspire par le nez et on souffle par la bouche et on revient à la position initiale. D'accord ? Donc, tous les mouvements qu'on va faire en Pilates, vous aurez toujours votre respiration qui sera en mobilité, on ne va jamais bloquer sa respiration lors des exercices. D'accord ? Et une deuxième chose essentielle, dans la méthode Pilates, on travaille sur la sangle abdominale profonde, c'est-à-dire les deux muscles périnée transverse, le périnée est un hamac, je sais que je répète en permanence ces choses-là, mais c'est essentiel, le périnée est un hamac qui soutient les viscères, et en fait, on est en tension en faisant un stop pipi, et puis le transverse, c'est un corset qui entoure le ventre, qui est maintenu du bassin aux côtes. Et lorsqu'on met le périnée en tension, le transverse va se mettre également en tension. Et l'idée, c'est de refermer sa ceinture de deux crans ou d'emmener son nombril vers ses vertèbres lombaires. D'accord ? Donc, ces choses-là, c'est maintenant que vous les connaissez, on va les intégrer en permanence dans tous les exercices qu'on va faire pour pouvoir travailler le reste du corps. Allez, on y va, échauffement. Vous accompagnez avec la tête le mouvement des bras. Prenez votre temps. Inspirez, expirez. Soyez à l'aise. Vous pouvez mettre une musique si vous voulez. Gérald avait envoyé précédemment une playlist. Oui, je tiens aussi à remercier, je le fais à chaque fois, mais cette fois-ci encore, évidemment, Gérald et Alexis qui sont aux commandes pour que la visio puisse se faire de la meilleure façon possible, pour que tout le monde soit connecté, tout le monde puisse suivre le cours de façon parfaite. Et on devient de plus en plus pointu, avec, je pense, une image de plus en plus nette et de plus en plus de monde qui vient suivre le cours. Allez, côté. On emmène bien son bras, doucement par-dessus la tête, et puis vous agrandissez votre flanc. C'est toujours un échauffement. On intègre la respiration. Et on part bien sur le côté. Ok, maintenant, poignets, les poignets, vous les libérez, tournez dans un sens, tournez dans l'autre, faites-les arrondir, faites-les aller dans un sens et dans l'autre, libérez les poignets, les doigts, les mains, les avant-bras. Très bien, la tête, donc la tête, c'est un mouvement ovale, vous emmenez sur les côtés, en haut, en bas, comme un ballon de rugby, vous accompagnez sans forcer ni en haut ni en bas, dans un sens et dans l'autre. Libérez vos vertèbres cervicales, elles peuvent craquer. Et une dernière chose importante, on ne se fait jamais mal. Donc, si vous sentez qu'un exercice n'est pas adapté, eh bien, vous trouvez
une composante différente. Je vous montrerai, en tous les cas, il y aura plusieurs niveaux suivant le niveau de chacun. Et surtout, on ne force jamais. On ne va pas vers l'attention, surtout si on a des problèmes articulaires ou ligamentaires ou musculaires. D'accord ? Le bassin, on emmène le bassin. Vous soulevez un talon et vous passez d'une jambe sur l'autre. Vous travaillez sur la hanche, vous travaillez sur les lombaires et sur le bassin. Et on pose, et maintenant on prend les genoux. Noé, je parle à mon fils, Noé. Je vais lui dire de prendre son petit déjeuner ailleurs. Prends ton petit déjeuner ailleurs. Et on continue. Les genoux. Et là, vous libérez vos chevilles. Et vous posez. Alors, on part sur un côté. Vous baissez les épaules. Vous baissez bien vos épaules et vos omoplates. Vous emmenez bien le regard en avant. Vous partez sur un genou. Oui, tu peux passer par ici. Merci. Et on passe de l'autre côté. Inspirez, expirez. Baissez vos épaules et de nouveau, on emmène de l'autre côté. Donc, un genou en avant, plié, l'autre pied sur le côté, les épaules basses, maintenant vous ouvrez. Donc, vous regardez devant vous, vous gardez la position, toujours omoplate, l'un vers l'autre collé. On inspire, on expire. Et de nouveau, on part de l'autre côté, épaules basses, inspirez, expirez, ouvrez, vous revenez, mais vous gardez l'écart des pieds et vous allez plier sur vos cuisses, d'accord, et vous allez emmener vos bras vers le haut. D'accord ? Donc, même chose aux omoplates. Collez sur la cage thoracique et vous les emmenez l'un vers l'autre. Vous avez bien plié vos genoux sur les côtés. Vous travaillez sur les quadriceps. On maintient, on travaille sur les adducteurs également. On revient. Vous ramenez vos deux pieds dans l'axe des hanches. Vous prenez vos pouces dans le pouce et puis vous allez pliez, je vous montre le profil, vous pliez vos genoux, vous avez le dos droit, vous emmenez vos deux bras vers l'avant, avec les épaules basses toujours, et ensuite, on se redresse, on tend les jambes, vous ramenez vos bras en arrière, et de nouveau, vous pliez en avant, vous maintenez, et vous revenez en arrière, jambes tendues, bras en arrière. D'accord ? Et toujours les épaules basses, pour ne pas léser les épaules. Donc, dans tous les mouvements qu'on fera généralement de l'exercice de Pilates, on pensera à baisser ses épaules et donc emmener ses omoplates vers le bassin, de façon à ne pas léser la colonne de rotateur et les articulations de l'épaule. Donc, toujours pareil, vous emmenez, vous revenez, on libère les épaules, on les mobilise. Et vous inspirez, vous expirez. Vous posez, on se redresse, on emmène les deux mains à hauteur des épaules et vous ramenez un genou vers la main opposée et vous allez travailler sur vos hanches, sur votre bassin et sur vos lombaires. Torsion, rotation,
et fréquence cardiaque qui augmente un peu. D'une part de l'autre. Très bien. Maintenant, vous allez redresser de nouveau vos deux mains, sauf qu'on emmène un genou, on l'emmène sur le côté et on le pose. En fait, on fait une rotation externe de la hanche. On soulève, on emmène, on pose. On soulève, on emmène sur le côté et on pose. D'accord? Voilà, comme ça, on libère complètement la hanche. Même chose, un peu de fréquence cardiaque. C'est bien, j'espère que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner juste avant le cours. On emmène, ou en tous les cas, qui était léger. Et on pose. Alors, vous avez vos pieds qui sont dans l'axe, sur le même plan que les hanches. Vous allez descendre tout doucement en soufflant. Laissez les bras vers le bas. Ça va tirer un peu vers les genoux. Et vous allez inspirer en remontant. On inspire en ouvrant les bras pour ouvrir la cage thoracique. Et après, de nouveau, on souffle. On redescend. Ça tire toujours un peu vers les ischio, en tous les cas vers les genoux, au niveau des ischio. Et on remonte en inspirant. Allez, encore deux fois. On inspire, on ouvre la cage thoracique, on se grandit et on redescend en expirant. On libère, on souffle. Dernière. On monte et on souffle. On redescend. On se redresse. Dernier exercice d'échauffement. Exercice sumo pour ceux qui ont déjà vu et qui l'ont déjà fait. Donc, on est avec sa pince, avec les bras, et on soulève un genou d'un côté, on resserre la pince, on ouvre la pince en soulevant un genou. D'accord? Et vous passez d'un côté à l'autre, votre dos est droit, position du gorille. D'accord? Et mouvement du sumo. Donc, comme ça, je pense que vous allez retenir facilement. Fréquence cardiaque qui augmente. Assouplissement global et échauffement parfait pour commencer les exercices de Pilates. On va continuer à le faire encore un peu pour bien se préparer. Épaules, hanches, bassin, lombaires. Et vous posez. Vous posez. Et maintenant, on peut se mettre au sol. Respirez, respirez. Soufflez un peu. Alors, vous allez poser votre dos sur le tapis. Voilà. Vous allez mettre un petit coussin sous la tête si c'est nécessaire. Voilà, petit coussin. Si c'est nécessaire, sinon vous posez la tête sur votre tapis. Et puis maintenant, je vous rappelle, respiration thoracique, importante, périnée transverse. On a mis en tension ce qu'on appelle le centre en pilates. C'est qu'on a mis en tension la centre abdominale profonde. On n'a pas besoin de la mettre à bloc, mais on l'a mise en tension. Périnée transverse, et là, on est là, on tient. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Alors, imaginez que vous avez une corde tout le long de la colonne vertébrale. Votre corde, elle est ici au niveau du sommet du crâne. Vous allez légèrement tracter cette corde, de façon à emmener votre tête. Et puis, vous allez pencher votre menton. Donc, la tête, on a libéré, on a allongé la colonne vertébrale. Vous ramenez votre menton au niveau du sternum, comme si vous aviez une balle de ping-pong. La balle de ping-pong, elle doit être ni écrasée, ni relâchée. Et vous allez ramener vos deux mains vers les genoux. Et vous allez basculer votre tête en avant,
Normalement, au niveau des cervicales, vous devez être tranquille parce qu'on a fait un premier mouvement de libération au niveau de la tête. Vous tenez, et maintenant, vous emmenez une jambe. Pointez vers l'avant avec les deux bras. Si c'est trop compliqué, si vous sentez qu'au niveau cervical, c'est un peu difficile pour vous, vous prenez votre coussin, vous gardez la position, mais vous pouvez le faire avec la tête posée. D'accord? Vous venez poser le pied, on inverse, les orteils pointés vers l'avant, comme si vous aviez un stylo à l'extrémité des orteils et que vous puissiez faire un dessin devant vous. On maintient un. Vous posez en inverse. Vous revenez une dernière fois. Pointez. On tient. Et vous pensez toujours à vos épaules basses, avec les omoplates qui vont vers le bassin et votre respiration. Vous pouvez poser un pied, poser la tête. Respirez. Inspirez, expirez. Alors, un exercice pour bien comprendre et bien mettre en tête la respiration et la sangle abdominale. Vous allez mettre vos deux mains vers le ciel, d'accord, avec la tête toujours posée au sol. Et vous allez faire glisser vos omoplates le long de la cage thoracique pour aller vers le ciel avec vos épaules. Et là, vous sentez tout de suite la tension de la sangle abdominale. D'accord? Donc, vous êtes en tension avec la sangle abdominale. Et plus vous emmenez les mains vers le haut, plus vous sentez la tension de la sangle abdominale. Vous revenez, vous posez et on redémarre. On monte. Je vais décaler un petit peu pour vous celui sur deux. Bien voir, voilà. On monte, on revient. Maintenant, la chaise renversée. Donc, vous pliez un genou, vous pliez l'autre genou, vous avez engagé votre centre. Et là, vous avez un angle droit, la jambe à l'horizontale, la cuisse à la verticale, les deux jambes rapprochées. Vous allez ramener votre menton au sternum, balle de ping-pong. Soulevez la tête, allongez vos bras et vous allez écraser des ballons, comme si vous aviez des ballons dégonflés. Je vous montrerai comme ceci, comme si vous aviez des ballons dégonflés de chaque côté. Et vous allez écraser vos ballons. Et vous allez inspirer sur 5 battements et expirer sur 5 battements. Alors, vous posez un pied, vous inspirez, vous expirez, vous posez l'autre pied, vous posez votre tête. Maintenant, pour les personnes, on va refaire l'exercice, on va refaire le même exercice. Pour les personnes pour qui ça va être bien, parfait, on refait la même chose. Pour les personnes pour lesquelles c'est plus compliqué de tenir, vous pouvez tout à fait le faire avec la tête posée. D'accord? Et enfin, donc, on se met en position. On a décollé, on a légèrement tiré sur sa tête. On est bien bloqué, bien fixe au niveau du bassin. On a les mains, c'est parti. Et pour ceux qui peuvent, donc éventuellement, vous allez alterner avec une jambe tendue. On revient, l'autre jambe tendue. Et on revient, et une jambe tendue. Et on revient, et encore. Donc, vous trouvez la formule qui vous convient. Et on continue à travailler purement sur la sangle abdominale dans cet exercice. Ça s'appelle 100. Et donc, on doit faire 100 battements. On ne fera pas aujourd'hui, mais l'exercice type, c'est celui-là. Dernier, pour ceux qui tendent la jambe, on revient. Tout est fixe, tout est fixé, tout est bloqué, tout est maintenu. Vous revenez. Vous posez un pied, vous inspirez, vous expirez, vous posez l'autre pied.
Respirez tranquillement. Inspirez, expirez. Posez les deux mains sur le sol, sur le tapis. Vous écartez un peu les mains. Vous allez lever une jambe. Et là, vous allez faire de petits cercles avec une jambe vers le ciel. Donc, on monte la jambe. Mais vous pensez à tout le reste du corps. Tout le reste du corps est totalement fixe. Vous n'avez que votre jambe qui est en mouvement. Et le reste est bloqué. Le bassin, la hanche opposée, le dos, la colonne vertébrale, la tête, tout est fixe. Vous sentez la tension dans votre sangle abdominale profonde et vous allez inspirer, expirer lors du mouvement de rotation. Et vous inversez, vous passez de l'autre côté. On inverse le petit cercle, plus on va lentement, plus l'exercice fait travailler. Inspirez, expirez. Toujours. Maintenez l'exercice, mettez la tension. Gardez votre centre bien engagé. Très bien, on revient, on pose. Bonne inspiration, grande expiration, au repos. On démarrait sur l'autre jambe. C'est parti. En avant. Alors, inspiration pour revenir vers l'intérieur, expiration pour aller vers l'extérieur. Essayez de penser à inspirer en allant vers l'intérieur, expirer en allant vers l'extérieur. Ça vous oblige à ralentir et à être précis sur le mouvement. L'autre genou ne doit pas du tout bouger. La hanche opposée et le bassin doivent être totalement fixes. Et inspirez, expirez, et vous passez dans l'autre sens. Même chose, on ne bouge pas. Vous tenez. Encore. On a bien levé la jambe, on essaie d'avoir la jambe relativement tendue, en tous les cas le plus tendue possible. Et vous posez. Inspirez, expirez. Soufflez. Alors, maintenant, ciseaux. Donc, ciseaux, vous mettez vos deux jambes vers le ciel. Et ce qu'on appelle scissors, l'exercice scissors en pilates. Vous êtes emmené d'un côté de l'autre. Alors, pour l'instant, ceux qui veulent garder la tête posée, vous emmenez d'un côté, vous essayez toujours d'avoir un genou qui vient vers vous, d'accord? Si c'est difficile pour vous de le faire jambe tendue, vous fléchissez légèrement le genou et vous avez toujours un genou qui est au-dessus de vous pour ne pas compenser avec le dos, d'accord? Et vous emmenez d'un côté de l'autre, si c'est déjà particulièrement difficile au niveau abdominal, donc on emmène d'un côté de l'autre. Pour ceux qui veulent ajouter quelque chose d'un peu plus difficile, vous allez emmener vos deux mains, venir prendre votre tibia et allonger votre jambe ensuite, tout en ayant décollé le haut du tronc. D'accord? Et on emmène d'un côté de l'autre, toujours en ciseaux. Très bien, vous ramenez les deux genoux à vous, vous posez la tête, vous inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Maintenant, vous allez poser les deux pieds au sol, les deux pieds toujours dans l'axe des hanches. Et puis, vous allez poser vos deux mains et vous allez soulever tout doucement votre bassin
d'abord votre bassin, puis les vertèbres, les unes après les autres. Et vous allez monter. Alors, ceux et celles qui ont un coussin sous la tête, vous l'enlevez de façon à ne pas être en hyperflexion. Et vous allez soulever votre bassin. Vous maintenez bien votre bassin. Vous l'avez bien tonique. Vous avez les fessiers qui sont toniques, les quadriceps qui sont toniques, et puis les lombaires, évidemment, qui sont très toniques. D'accord ? Toujours pareil, on a engagé son centre. Bonne respiration. Pour ceux qui peuvent, vous soulevez une jambe tendue devant. D'accord ? Et vous maintenez. Et on revient et on inverse. Pour les autres, vous gardez votre élévation du bassin. Et ceux qui peuvent, vous emmenez une jambe, puis l'autre, l'une après l'autre. Très bien. On monte, on emmène de nouveau. Encore. Vous posez, vous venez tout doucement, vertèbre après vertèbre, posez sur le tapis. Inspirez, expirez. Maintenant, de nouveau, on met les deux pieds, on va resserrer les genoux l'un près de l'autre, on va soulever, vous soulevez votre bassin. Vous emmenez vos deux mains vers le haut et l'arrière. Vous gardez cette position. Et maintenant, si vous pouvez, même chose. On emmène une jambe. On ramène en inverse. Et de nouveau, on ramène en inverse. Et de nouveau. Si c'est difficile pour vous, vous gardez la position de départ. Juste soulever le bassin, c'est déjà très bien. Il y a déjà tout un ensemble de groupes musculaires qui travaillent à fond. Donc, c'est déjà bien performant. Très bien, vous revenez, vous allez poser tout doucement vos vertèbres, ramenez vos bras. Un peu d'assoupissement au milieu des exercices. Celui-ci, vous allez mettre vos deux mains derrière la cuisse. Vous le connaissez, vous ramenez vos orteils vers vous. Si c'est trop difficile de tendre la jambe, parce que vous avez des ischios jambiers trop musclés, eh bien, vous allez descendre un peu la jambe, de façon à ce qu'elle puisse se tendre un peu mieux. D'accord ? Et l'idée, c'est de l'emmener, de l'étirer, de ramener les orteils vers vous, et de garder la position pour assouplir. Vous ramenez, vous inversez, vous emmenez, vous descendez. Si vous pouvez monter la jambe, pas de souci, vous la montez. Le but est d'essayer de tracter cette partie-là vers le genou. Vous revenez. On va croiser maintenant. Vous croisez donc un pied, je vais vous le montrer comme ceci, un pied sur le genou opposé. Vous allez chercher la cuisse du genou gauche pour ma part. Et puis, je vais pousser avec le coude droit sur la cuisse droite de façon à tracter tous ces groupes musculaires qui travaillent énormément, le moyen fessier, grand fessier, et puis également les muscles liés au bassin avec le piriforme. Tous ces muscles-là, ils ont besoin d'être détendus, surtout quand on a des positions assises pendant très longtemps. Eh bien, ça va soulager de lombalgie. Donc, vous maintenez, vous gardez la position. Inspirez, expirez tranquille. Et par contre, vous sentez le groupe musculaire qui est tracté, qui est étiré. Vous revenez doucement. Vous pouvez inverser, donc l'autre pied, on croise, on va chercher la cuisse droite pour ma part avec les deux mains, et puis vous ramenez vers vous, et là vous allez emmener avec votre coude la cuisse gauche pour l'emmener un peu plus loin, pour la tracter un peu plus. Vous gardez la position, on laisse faire.
On laisse les muscles se détendre. Vous revenez, vous soulevez vos deux pieds, vous écartez vos deux mains que vous posez au sol et vous venez emmener d'un côté et l'autre les deux jambes. Jambes tendues, vous les emmenez sur les côtés, vous faites travailler vos adducteurs, inspiration, expiration, vos épaules basses. Et tout est en tension. Allez, un dernier. Et vous revenez. Posez les deux pieds au sol. Genoux fléchis. Inspirez, expirez. Maintenant, vous allez vous redresser. Vous allez vous mettre assis avec les jambes en avant. Celui-ci. On emmène. Alors, on va déjà commencer avec vous basculer votre bassin, déposer le début du dos et vous remontez et vous redressez. Vous partez en arrière, vous déposez votre bassin et vous redressez. Je vous rappelle, vos épaules basses avec les omoplates qui descendent vers le bassin. Et ensuite, vous descendez, vous laissez partir le bassin, vous redressez, vous emmenez vos deux bras vers l'avant et de nouveau, vous descendez. Vous revenez, vous emmenez les deux bras vers l'avant. Et encore. Donc on emmène, et là on travaille en excentrique au niveau abdominal, et de nouveau on remonte, et on descend, et vous essayez de ramener votre nombril vers vos vertèbres. Et encore. Alors si c'est possible, vous emmenez une jambe tendue en descendant. Vous la posez en remontant et vous inversez, tendu en descendant, et vous remontez, et de nouveau. Et encore. Et encore. Et encore. Toujours. Allez-y, allez-y. Continuez. Si c'est trop difficile, vous descendez moins loin et vous remontez sans travailler avec les jambes. Pour les autres, on emmène une jambe, puis l'autre. Encore. Encore. Toujours. Et on redresse bien. Emmenez votre colonne. Tirez votre colonne lorsque vous redressez. On l'emmène le plus haut possible. Et encore. Toujours. Parfait. Vous continuez. Très bien. Vous relâchez. Alors, vous emmenez vos bras et vos jambes tendus, bras par-dessus la tête, jambes allongées. Et là, vous allez essayer. Alors, l'idée, c'est d'inspirer. Vous allez inspirer et vous allez souffler en ramenant vos bras vers l'avant. Si c'est compliqué pour vous, vous gardez cette position. Et vous ne faites que descendre comme tout à l'heure, mais jambes tendues. D'accord? Vous descendez légèrement, très abdominal, et on remonte en se redressant. Pour ceux qui peuvent, vous descendez complètement. On inspire, on souffle en allant vers l'avant. C'est-à-dire que vous inspirez ici en bas et vous allez expirer en arrondissant les épaules et en emmenant le dos droit vers l'avant. D'accord? De nouveau, on descend, on souffle, on va vers l'avant, on se redresse. On descend, on souffle, et on monte et on va se redresser. Très bien, on relâche. Vous allez maintenant croiser vos deux pieds. Mettez les deux pieds l'un sur l'autre, enfin l'un face à l'autre, les genoux fléchis sur les côtés, et puis, ça s'appelle le spine twist. Donc on va faire tourner la colonne, donc vous avez votre corde qui tire la colonne. Si c'est compliqué pour certains, vous êtes très en arrière, ce qui est
assez courant. Vous mettez un petit coussin de façon à avoir votre dos droit, le plus droit possible. Vous avez votre corde qui vous tire vers le haut, d'accord? Qui emmène votre colonne vertébrale le plus loin vers le haut. Vous écartez vos deux bras. Et là, vous allez tourner dans un sens, puis tourner dans l'autre. Vous avez un axe qui est votre colonne vertébrale. Elle est tirée, tractée vers le ciel. Vous avez votre dos droit et vous emmenez l'ensemble du haut du corps sur les côtés. Donc, on inspire en revenant à la position initiale et on expire en allant vers l'extrémité. Très bien, vous continuez l'exercice. Et maintenant, vous allez essayer d'aller un peu plus loin en arrivant au bout. On va faire deux petits mouvements pour aller un peu plus loin. C'est qu'on va tirer un peu plus loin sur le côté. Donc, on inspire, on souffle en arrivant. Alors, votre tête, elle ne regarde pas la caméra, elle accompagne les deux mains. Le regard est au centre des deux mains, de façon à pouvoir faire l'exercice sans avoir de sensations négatives au niveau des cervicales. Vous accompagnez et vous emmenez deux fois d'un côté, deux fois de l'autre. Encore. Posez. Alors, petit exercice d'élévation avec ou sans coussin. Vous mettez vos deux mains sur le haut des chevilles et puis vous allez vous redresser le plus possible. Vous allez emmener votre colonne. Donc, vous allez baisser vos épaules, le buste bien en avant. Vous baissez vos épaules, vous descendez vos omoplates et par contre, vous emmenez votre colonne. Et vous aidez avec les mains pour prendre appui, pour tirer la colonne vers le haut. Et là, vous pouvez respirer. Là, vous êtes en tension, mais vous avez une respiration tranquille. Inspiration, expiration douce. Et tout le corps est en tension. Vous avez votre colonne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. On tient, on garde la position et on respire. Et on relâche. Vous soufflez, vous relâchez. Maintenant, vous allez allonger les deux jambes en avant, toujours pareil, avec ou sans coussin. Vous choisissez ce qui vous semble le plus correct pour votre position, pour ne pas être complètement en arrière. D'accord? Et puis, on va mettre les deux bras en avant, l'épaule basse. Et puis, vous allez tirer un point vers l'arrière en gardant l'autre bras en avant. Et après, on ramène la main et on inverse. Un point sur le côté. On avance. Un point, on ramène sur le côté, comme si vous alliez tirer sur votre arc, comme si vous alliez préparer votre arc. Donc, on tire en arrière avec le point, on ramène, on fléchit le coude et on ramène en arrière, toujours buste droit et toujours avec votre respiration. Et encore. Et encore. Et toujours, le point en arrière. Et vous ramenez. Et toujours, les jambes tendues ou légèrement fléchies, si c'est difficile de les garder tendues. Et le coude qui ramène en arrière. Vous travaillez vos omoplates, vous travaillez vos paravertébraux. Et vous posez. Très bien, maintenant, vous allez écarter les deux jambes. Alors, vous pouvez mettre vos deux mains derrière ou vos poings pour bien vous positionner. D'accord? L'idée, voilà, je vais bien me positionner en tous les cas sur l'écran. Voilà, vous allez bien ramener vos orteils. Ça peut être légèrement fléchi si pour vous c'est difficile d'avoir les jambes tendues. D'accord? Et puis, vous allez venir tourner
on met une main vers le pied opposé. On revient en inspirant et on descend vers le pied opposé. On inspire, on tourne et on descend en arrondissant. D'accord ? On inspire, on tourne, on descend en arrondissant. Alors, jamais, si la personne a des sensations difficiles ou douloureuses au niveau du dos, vous adaptez, vous prenez un gros coussin où vous vous pliez beaucoup plus et vous allez emmener vos mains un peu plus facilement. On inspire, on souffle, on descend. Vous inspirez, vous soufflez, vous descendez. Vous inspirez, vous soufflez, vous descendez. Encore, toujours. Encore, toujours. Voilà, toujours, rotation. On emmène, on descend, on emmène, on descend, on emmène. Encore une fois, et on emmène. Vous ramenez vos deux pieds devant et vous allez emmener vos deux mains vers les pieds. Et puis, on laisse aller le dos. Et vous laissez faire. Si vous pouvez prendre vos orteils, vous prenez vos orteils. Sinon, vous gardez vos mains sur les tibias et les jambes. Vous gardez la position. Et on relâche. Alors maintenant, vous mettez dans l'autre sens. Donc, position quatre pattes. Et là, ce qu'on appelle le swimming à quatre pattes. Une jambe en arrière, un bras en avant. Vous avez la tête qui regarde entre vos deux mains, l'espace entre vos deux mains. Vous avez vos épaules basses. Vous avez engagé votre centre. Vous avez descendu vos omoplates vers le bassin. Vous maintenez. Et vous venez poser doucement les deux mains l'une à côté de l'autre dans l'axe de vos épaules. Vous soulevez l'autre genou et l'autre main opposée. Et vous essayez d'emmener votre colonne de façon la plus longue possible. Et vous maintenez. Vous revenez. Vous inversez. Et vous allongez votre colonne. Pensez à allonger votre colonne. Vous avez un fil qui emmène, qui emmène, qui emmène. Et tout est bloqué, tout est rigide, tout est tenu, sauf votre respiration. Lorsque vous allez poser une main et le genou opposé pour inverser, vous devez le faire sans qu'il y ait aucune partie de votre corps qui ait bougé. D'accord ? Hormis le bras et la jambe. Vous revenez, vous maintenez, vous emmenez, on inverse. Regard entre les deux mains au sol. Vous tenez toujours. On inverse sans bouger. Le but est surtout d'allonger le bras et d'allonger la jambe plus que de soulever le bras et la jambe. D'accord ? Vous restez dans le prolongement. Mais vous emmenez bien dans un sens et dans l'autre. Vous venez poser, vous alternez, vous emmenez et vous allongez. C'est autant souple que tonique. Donc on garde la position, on ne bouge pas. Et de nouveau, vous alternez, mais maintenant, vous allez écarter la main, le bras vers l'extérieur et écarter votre jambe vers l'extérieur. Même chose, vous tenez, parce que là, vous êtes plus en tension. D'accord ? Au niveau de la jambe, vous avez un travail des obliques, un travail abdominal qui est un peu plus pointu. Et donc, vous maintenez, vous tenez, vous ramenez et vous inversez. Et de nouveau, vous partez sur les côtés. La tête regarde entre les deux mains, vous maintenez, vous tenez, toujours, encore, vous revenez, vous posez, on refait encore une fois de chaque côté, bras côté, jambes côté, revenez. De nouveau décalé,
Même chose, on a engagé son centre. On a ses épaules basses. Et on inspire, on expire pour mettre encore un peu de tension. Et vous revenez. Alors, maintenant, gainage. Celui-ci, vous le connaissez. On va descendre le bassin. Soit vous préférez le faire avec les genoux au sol, les jambes en arrière, d'accord, et sur les coudes. Soit vous préférez faire en décollant les orteils en griffe et en décollant les genoux. Dans les deux cas, alors pour ceux qui ont un peu plus de mal à tenir sur les pieds, vous posez vos genoux. Et par contre, vous allez soulever une jambe. Vous la posez et vous inversez. Et vous gardez le dos toujours aussi tonique. D'accord ? Et pour ceux qui peuvent le faire, jambes tendues, c'est parti. Une. Vous posez et on y va pour l'autre. Et on pose et on inverse. Encore, les épaules sont basses pour ne pas abîmer les épaules. D'accord ? Et vous maintenez. Et encore. Et encore. Et on tient. Et on tient. Allez, encore. Encore un peu. Et vous posez. Et maintenant, vous venez vous mettre en arrière. Vous venez poser vos talons, vos fesses sur les talons. Vous allongez vos bras. Vous respirez. Et vous faites une pause. Bravo pour tous les exercices. On va continuer. On a encore quelques-uns avant d'arrêter. Super. Là, vous laissez aller. Vous étirez votre grand dorsal. Vous relâchez. Vous pouvez respirer. Très bien. Maintenant, vous revenez. Vous mettez sur le côté. Alors, vous avez un genou fléchi au sol, l'autre genou fléchi dans l'espace avec un pied au sol, et l'objectif, c'est celui-ci. D'accord ? Donc, vous emmenez un bras et vous maintenez sur votre genou. Vous posez. Maintenant, vous allez allonger votre jambe, gardez votre pied, le pied au sol, vous le gardez, et de nouveau, vous allez emmener tout le corps, bassin compris. Toujours avec l'épaule basse, pour ne pas l'hyper solliciter, vous maintenez. Vous posez. Et alors, pour ceux qui peuvent, vous posez vos deux pieds l'un devant l'autre et puis vous soulevez l'ensemble du corps. D'accord ? On revient. Alors, on va le refaire. Si certains préfèrent avec le bras tendu, eh bien, vous mettez votre bras tendu pour soulever, d'accord ? L'idée, c'est de toujours penser à avoir l'appui du corps, l'appui au sol, sur le genou ou sur les jambes, ce qui va nous paraître un peu moins évident, enfin un peu moins costaud sur l'épaule et un peu plus facile avec l'épaule. Donc, vous emmenez votre bras, vous avez tout poids du corps sur le pied et le genou. Vous allez poser, on allonge une jambe, l'autre. Toujours fléché avec le pied au sol. Et on monte. Et on tient sur un bras. Si c'est difficile, vous le faites sur le coude. Même chose, on inspire, on expire. Vous posez. Et maintenant, vous inversez. Donc, coude, un genou, un pied au sol. D'accord ? On emmène. Et on soulève
sur son genou au sol. On soulève le bassin. Bon, ça va pour tout le monde. J'espère que vous ne mélangez pas les mouvements. En tous les cas, si vous sentez que ce n'est pas adapté, vous revenez et vous essayez de trouver une composante moins difficile et surtout pas traumatisante. Vous posez, on allonge la jambe qui est en dessous, on garde l'autre jambe et puis vous soulevez le bassin et vous gardez la position. Vous posez, vous allongez vos deux jambes, l'une devant l'autre, et si vous pouvez, vous emmenez tout le bassin, toujours appuyé sur les pieds. Vous donnez la position, très bien. Vous maintenez. Si c'est difficile, vous restez avec un genou au sol, avec appui sur le genou au sol. Très bien, on tient, on tient, on tient. Vous posez, vous revenez dans la position. Donc un genou au sol, un pied fléchi, mais sauf que maintenant on a notre bras tendu. Donc on se met sur un genou et on enlève le bras par-dessus. Le but c'est d'étirer par ici et de renforcer par là. Donc on tient, inspirez, expirez, maintenez le mouvement. Relâchez. Maintenant, jambes tendues, toujours avec le bras. On soulève, on enlève. Vous connaissez. Voilà, on tient, on tient, on tient. Si c'est trop compliqué, vous posez votre genou. Vous maintenez si vous pouvez. Vous posez. Vous relâchez. Vous revenez. Et maintenant. On revient pour un dernier exercice. Alors, vous mettez vos deux mains de chaque côté au-dessus des chevilles et puis vous laissez partir. Là, et vous redressez. Alors, l'idée, c'est de revenir sans poser les pieds au sol. D'accord? Et de nouveau, vous emmenez et vous revenez. Et ça s'appelle Rolling Like a Ball. Vous emmenez et vous revenez. Ça permet d'assouplir et de maintenir une tension au niveau abdominal. Encore une fois, et vous emmenez. Vous pouvez le refaire. Là, et vous emmenez. Et vous posez. Vous soufflez. Vous respirez. Inspirez, expirez. Alors, je vais vous demander de regarder entre vos deux pieds, de fermer les yeux et d'inspirer, expirer. Laissez aller vos épaules, laissez aller vos genoux. Laissez aller vos hanches, laissez aller votre dos. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes d'être là.